Hey les amis, aujourd'hui je suis en compagnie de Tony et Spikey. On va faire une petite exploration. Alors par contre cette exploration, Tony va rester dehors avec Spikey parce que j'ai pas envie qu'il se blesse. Il va avoir du carreau cassé, des trucs un peu dangereux. C'est assez risqué pour mon toutou. Donc du coup je vais faire l'exploration seul. Faire attention. Ah c'est là pas mal. On va commencer par là-bas. J'ai une ancienne buanderie. PC. Ah, pas mal. Là, je pense qu'on est sur la cuisine. Deux petits fours là. Avec des plaques gaz au-dessus. Ça, je dirais c'est une cuve inox. J'ai une grosse friteuse. Donc, un coup, la vidange, certainement pour évacuer l'huile usagée. Petite verrière au-dessus avec les hottes. La hotte qui sont plus là, bien sûr. Ouais. Un peu de vide ici. Ah ben. Il est dans le sous-sol. On voit ce qui s'y trouve. Ok, bon là c'est ça sent le fioul hein, les amis. Donc c'est la chaudière. C'est vraiment bizarre. Bon ça j'irai pas la chaudière avec chapeau de conduit de fumée. Non, plutôt d'un gros four, mais le conduit d'évacuation est manquant, c'est bizarre. Donc il passait par là qui a été supprimé, mais. Oh! Voilà, on a de la vieille bouteille. Inscription, je sais pas à quoi ça rime, ça parle de réglage. Des vieilles bottes d'époque. Ah, on a une grande vieille gourde en plastoc. D'accord. On a un emploi du temps d'écolier ou de collégien, je sais pas, géométrie, physique, anglais, histoire, chimie. Ouais, c'est bizarre. Je vais pas aller dire que c'était une école ici, mais bon, peut-être un centre de vacances et les gamins faisaient leur enfin, en profiter pour faire des devoirs. Ou des... Du vieux plâtre durci. Du pays de Vaucluse. Un peu de vaisselle ici. Vieille chaise. Oh là, alors là, je sais pas ce que c'est, les amis. Il y a un bocal. Alors, je vois qu'il a été ouvert, mais. Moi, je vais pas tenter d'ôter le couvercle, hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans.
On dirait du légume, on dirait un peu de l'artichaut dedans, à ces herbes. Il y a un peu de tout là, alors il y a des parts de savon. Il y a énormément de parts de savon là. On a deux citernes. Alors là, on est sur la fin. Alors, il y a encore un bocal. Alors dedans, j'ai des fruits secs. Enfin, des fruits secs. C'est des fruits à l'alcool. Ça moisit, hein, ça vachement moisit. Et là, ça se voit clairement, c'est des champignons. Je mets la lampe sur le côté, hein, parce que j'ai une lampe lumière assez forte qui brûle l'image. Ouais, c'est du champignon, j'ai des cèpes. Oh, quel gâchis. On a de la bouteille, du produit, des bocaux vides. Pas mal de bouteilles vides. Là, on a encore... c'est des champignons aussi. Enfin, j'hésite, hein, champignons ou... je sais pas, c'est une forme d'abricot coupé, mais... je sais pas si vous voyez bien, parce que je tiens la lampe avec ma joue. Je vais la reprendre. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas ce que ça pourrait être. Moi, j'ai des champignons, hein. J'ai des têtes de champignons. Là, ça remonte. Je vais récupérer ma petite lampe. Faire les choses à l'endroit. On va prendre le circuit dans l'ordre. On est au-dessus. Il y a un ancien, enfin un vieil aquarium cassé. Pièce en dessous de l'escalier, lui c'est un de débarras. Avec une citerne, certainement le fioul. Je suis le jeu 5 en balle. Alors là, il fait hyper froid. Hyper froid, je sens plus mes doigts là. Au plafond. J'ai du mal à appuyer sur les boutons de la lampe là. J'ai le bout des doigts congelé. Donc là, c'est le hall d'entrée. Je vois qu'il y a pas mal de tuiles. Alors soit c'est en cours de restauration, soit c'était en cours de restauration, ça n'a jamais été. Là, la bouteille d'alcool fort, donc ça va. Allez, on voit une deuxième cuisine ici. Je crois qu'on a d'accord, c'est communicant. Donc là on est dans la... Donc je suis rentré par l'espèce de petit chalet au milieu. Et là on est dans la maison là. La maison qui est sur la droite. Donc c'est communicant de l'intérieur. Allez, on va se taper l'étage. Alors là par contre ça fait peur, je vois qu'il y a des étés. Oh.
Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud là, d'accord. Je comprends mieux pourquoi. Pourquoi il y a les barrières. Donc là, je pense que c'est en cours de restauration parce que quand on regarde la charpente là, j'ai l'impression qu'elle est neuve. Qu'elle a été refaite il y a pas si longtemps que ça. Alors, bien sûr, ne reproduisez pas ce que je fais. Il y a une grosse part d'inconscience, de conneries, de bêtises. Bon, maintenant, moi, j'assume totalement ce que je fais. Je vous demande de ne pas le reproduire pour votre sécurité. Bon, moi, pour ma part, je me dis qu'il y a des étés, c'est en cours de restauration, donc il y a une partie qui tient quand même, puisque les mecs viennent bosser. Après, j'ai pas la certitude que les travaux sont toujours en cours. Là, on est sur les douches. Partie WC. Putain, c'est vraiment dans un piteux état. Hein. Je suis frigorifié, les amis. On dirait que ça a pris feu, là. Les poutres de plancher sont brûlées. Ah oui. Bon, là, la rampe d'escalier est complètement détruite. Ouf, ah oui. Ah ouais, ça a pris feu là. Là, on est dans une salle d'eau. On voit qu'il y a plein de lavabos là qui ont été cassés. Bon, déjà, c'est du collectif, hein, donc ça me rapproche de mon hypothèse, hein, centre de vacances ou. Centre aéré en montagne. Voilà, une petite chambrette, plafond très bas. Ah, frigo. Ouais, non, un meuble. Un petit traversin éclaté, matelas pourri. Certainement la chambre de responsable. Un petit papillon. Ouais. Bon, on va aller se taper l'autre côté. Ah ben là, l'escalier est en meilleur état, mais bon. Même flippant. Il me manquait une petite pièce là. Ah ouais. Ah oui, oui. On ne va pas dire, hein, la charpente est vraiment neuve, donc je pense qu'il est en cours de restauration. Ouais.
Regarde-moi ça, c'est flambant neuf. Oh bah tant mieux. Beau petit bâtiment quoi, ce serait dommage que ça parte aux oubliettes, que ce soit voué à la destruction. Je vais pas trop attarder ici là. On va y aller à tâtons. Bon, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Ah oui, jolie surface quand même. Alors, je vais essayer de marcher sur les poutres. Vous voyez là, les risques hein, dans ce genre de truc, là, vous voyez. Là, vous mettez le pied, là, c'est du bois à cramer, là. Là, vous passez à travers. Il y a encore les IPN. Mais bon, moi, je vais pas m'aventurer, hein. Je vais pas aller plus loin. On va se terminer par ce côté qu'on n'a pas fait. La réserve de bouteilles là, non ? Là, ça devait être le dortoir. Ancien casier. Ah ben voilà, je cherchais. Donc les chaudières sont ici. Ah oui, de belles bêtes ici. Hein. Donc en bas, c'est pas la chaudière. Il reste une partie d'étage qu'on n'a pas fait.
D'accord. Et par là, ça rejoint... Non, je pensais que ça rejoignait la partie avec le sol éclaté, mais non, rien à voir. Donc là, il y a une mezzanine, puis une échelle. Le sol est en béton, ça va. Ah, du journal. On va essayer d'avoir une date. J'ai les doigts congelés, alors j'arrive pas à manipuler le journal. Hop là, alors samedi. Ah oui, quand même. Attendez, cette lampe, je vais prendre la plus soft. Alors, si vous arrivez à lire, je vais m'approcher un peu mieux. Samedi 2 juillet 1983. Bon, c'est déjà plus de 30 ans ici. Il y a plus de 83 le journaux. Donc, après ça veut rien dire, hein. Ça veut pas dire que le lieu a cessé son activité en 83 quoi, hein. Mais mais ça montre juste que en 83 ça existait déjà quoi. Et je pense que c'est certainement bien plus vieux. Les dessins qui sont vraiment sympas là. On a des matelas, des traversins, petite table avec un matelas dessus. De ce côté-là, la charpente est plus vieille. Fais attention au sol. Voilà, je vais pas m'avancer plus loin là. Le plancher en bois comme ça, quand on voit qu'il y a de la très humidité là, vous voyez, il y a des lattes un peu enfoncées là. Moi, je vais pas tenter. Je prends énormément de risques, mais j'évite au max de prendre des risques vraiment inutiles, quoi. Risquer de passer à travers pour filmer une pièce, c'est pas top. Alors, dans cette pièce, il y a quelque chose de bizarre. C'est que là on trouve des bancs d'écolier. Bon, la partie bois du banc,
n'est plus là, bien sûr. Mais on voit bien clairement que ce sont des bancs d'écoliers. C'est une salle récréative. Des articles de mercerie comme des bobines de fil, il y a du pinceau, de la peinture, donc c'est le coin où stocker le matos pour les enfants, pour qu'ils puissent se divertir. Je pense qu'il y a de quoi faire un peu de couture, un peu de coloriage, de peinture. Fil à tableau, d'accord. C'est pas du fil de couture. Il y a beaucoup de cahiers avec tes devoirs par terre. Avec des bouquins de lecture. Ah oui. C'est chaud patate là. Là, je vais pas mettre les pieds. Le vent est en train de passer à travers le plancher. Mathématiques, ah, d'accord. Plus d'indications, mathématiques, classe de 5e. Bon, bien les amis, petite exploration sympa, petit urbex en pleine nature comme ça. Donc du coup, reste le petit mystère, savoir ce qu'était ce lieu. Bon, moi je prêche pour le centre de colonie de vacances, enfin centre de vacances bien sûr. Bien qu'on trouve quand même des traces de cours d'écoliers, bon, je pense qu'il devait quand même peut-être les faire travailler un petit peu, je sais pas. Et écoutez, je me renseignerai sur les deux, si jamais j'arrive à avoir du nouveau, je le mettrai dans les commentaires en bas dans la description. Allez, sur ce, les amis, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine. Tchuss tchuss.